J'avais fait un espèce de tour de France, aujourd'hui on dirait du woofing, dans différentes fermes. Quand j'avais 20 ans, c'était un peu une idée fixe depuis mes 8 ans d'être fermière. Et du coup, j'avais écrit à plein d'amis qui m'avaient fait faire, qui m'avaient donné des coordonnées de paysans. J'étais allée faire plein de stages chez des amis à eux, puis ensuite connaissance de connaissance. Donc j'avais 21 ans et j'avais envie de travailler, de faire la vraie vie, quoi. Et donc j'ai cherché... J'ai cherché du travail, je suis retournée au pays, à Salon, et je voulais travailler là. Et je me suis souvenue que le père d'une de copines qui était en classe de piano avec moi était éleveur. Et c'était un peu un des rares agriculteurs que je connaissais, donc je lui ai demandé, je suis allée le voir. Je me souvenais où était la maison, je suis allée le voir. Et je lui ai dit, j'ai fait des stages dans une quinzaine de fermes, dont de l'élevage, et j'aimerais bien travailler. J'ai fait 15 jours de stage qui ont commencé un 2 février, jour de la chandeleur, par la tonte. C'était extrêmement éprouvant les 3 premiers jours de tonte. Je crois qu'en 5 jours, j'ai perdu 5 kilos, ou je ne sais pas. Et très très physique. Et puis je suis restée 2 mois. Ensuite, ils m'ont embauchée en fait derrière les 15 jours de stage. Et je suis restée 2 mois et après, de bouche à oreille, j'ai toujours trouvé des boulots. C'est les éleveurs qui m'appelaient, j'ai rarement eu à chercher à vrai dire un poste. Mais je le faisais à l'année en fait, j'empilais saison sur saison. Il y en a qui font des saisons juste de 21 à 27 ans à peu près, que je reprenne les études pour cause de solitude avancée. J'ai fait ça, j'ai fait un peu j'ai fait 2 mois de fromage aussi dans une ferme dans la Bresse entre temps, j'avais été embauchée. 2, 3, 4 mois d'arrosage en Croc, dans les prés de Croc, tout à fait autre vie aussi. C'était une belle expérience, avec contact avec des vieux bergers qui parlaient divers provençal d'ici. Et puis. J'ai toujours été en Croc, j'ai fait peu de montagnes finalement. J'ai eu l'honneur de remplacer Émile Masse, qui était un très vieux berger d'une autre époque, très très chouette. Regarde cette belle borie là. Belle Pudimunta, déçu à Peramu. J'ai fait peur aux brebis. Waouh! Oh là là. C'est magnifique. Le Ventoux est blanc, 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 blanc de neige. C'est incroyable. Un 2 mai. Waouh. Et dedans, c'est magnifique. C'est une voûte en ogive ou je sais pas quoi, comment on appelle ça? Comme la celle de Pierre Puget à la Vieille Charité. C'est magnifique. Toutes les pierres, elles sont un peu mises en dressées, un peu vers le haut. Elles se surplombent chacune et elles montent légèrement, on dirait comme ça. Génial. Chouette, hein? T'as vu ces fleurs là, de fou, que j'étais en train de regarder? Et là, la touffe qui est de l'autre côté est trop belle.
Là, c'est champêtre et bucolique des brebis comme ça. Il y en a une, elle, sa cloche, elle fait, quand elle marche, elle fait le même début qu'un rigodon. C'est lequel j'avais trouvé, c'était très drôle. Va-t-il à une lavoura ou qu'elle avoir, qu'elle avoir. Va-t-il à une lavoura ou qu'elle avoir, dis une trau. Va-t-il à une lavoura ou qu'elle avoir, qu'elle avoir. Va-t-il si une lavoura, l'avoir, dis une trau. Va-t-il où elle va, que sabes, que sabes. Va-t-il où elle va, que sabes, ben dans ça. Va-t-il là, il lavoura ou qu'elle avoir, qu'elle avoir, va-t-il si il lavoura ou qu'elle avoir, dis une trau, va-t-il si il lavoura ou qu'elle avoir, qu'elle avoir, va-t-il là, il lavoura ou qu'elle avoir, dis une trau, va-t-il où elle va, que sabes, que sabes, va-t-il où elle va, que sabes, ben dans ça, va-t-il où elle va, que sabes, que sabes, va-t-il où elle va, que sabes, ben dans ça. Très joli rigodon. Et elle avait la cloche qui faisait exactement pareil. Tout, 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 va tout. Les ajoncs éclatants parurent du granit d'or l'âpre sommet que le couchant allume. Au loin, brillant encore par sa barre d'écume, la mer sans fin commence où la terre finit. À mes pieds, c'est la nuit, le silence, le nid se tait, l'homme est rentré sous le chaume qui fume. Seul l'angélus du soir, ébranlé dans la brume, à la vaste rumeur de l'océan s'unit. Alors, comme du fond d'un abîme, des traînes, des landes, des ravins, montent des voix lointaines de pâtres attardés ramenant le bétail. L'horizon tout entier s'enveloppe dans l'ombre, et le soleil mourant, sur un ciel riche et sombre, ferme les branches d'or de son rouge éventail. Ce fabuleux poème de José María de Heredia, absolument pas provençal, mais breton. Et on parle de ces landes qui sont des... les mêmes plantes que nos argéras à nous avec les fleurs jaunes. C'est fini maintenant, c'est bien fini la floraison. Mais en gros, j'étais, même si j'étais assez proche, enfin j'étais dans un mas et pas en grande croix pour les saisons de printemps, toujours. J'étais, enfin, t'es quand même seule, tu vois, tu vois ton patron éventuellement, les autres bergers du mas hiver. Et je voyais les habitants du mas où j'étais... qui faisait les foins. J'habitais dans un cabanon avec les autres ouvriers agricoles, l'arroseur et celui qui s'occupait des terres. Donc, je n'étais pas seule, mais par contre, tu passes quand même
quand même beaucoup d'heures seule et surtout ça te, comme les horaires sont contraignants, ça te contraint à une vie sociale aussi. Et d'une manière générale, les bergers souffrent de solitude. Enfin, les bergers salariés, quoi, ceux qui font ça toute l'année. Ceux qui font ça, il y en a beaucoup, des jeunes comme moi à l'époque, qui font une saison. 4 mois donc, c'est 3 x 4. Il y a 3 saisons, traditionnellement, d'un croc qui se découpe. Et ils font une saison et ensuite, avec leur sous, ils vont retaper leur ferme en Ardèche ou dans autre, mais ou bien, je sais moi, faire autre chose ou être prof ou partir aux Seychelles ou faire une autre saison d'autre chose. Moi, je faisais ça saison après saison, donc ouais. J'habite dans une caravane, la nuit. Au zénith du soleil, j'habite quelque part, ailleurs, pas ici sous le cagnard, c'est pas possible. J'ai gagné quelques heures d'ombre en la mettant derrière le petit bois de chêne vert, mais jusqu'à 11h ça tient, mais à 11h ça commence à être midi limite, enfin limite en ce moment on est le 7 mai et il pleut depuis une semaine et si je ne sais pas. Et donc voilà. Mais ça serait la vraie température de mai. À 10h, tu t'en vas. Tu te sauves vite de ces espaces cramés par le soleil. Et les brebis, elles chôment. À ce moment-là, elles font ce qu'on appelle chômer. Et elles se mettent à l'ombre. Alors, elles ruminent pendant ce temps, en fait. Elles ruminent principalement ce qu'elles ont mangé à la battue du matin. On dit une battue. Ou à la souper du matin. Mais on les sort le matin et on les sort le soir. Donc au début du printemps, c'est à partir de 8h, enfin au début à partir de 10h, puis ça c'est dégressif, on se rapproche du lever du soleil au fur et à mesure que les chaleurs montent. Et pareil le soir, au début tu les sors à 13h quand t'as mangé ou je sais pas, et ensuite jusqu'à 4-5h, s'il fait nuit, après il y a changement d'horaire, machin, et le soleil qui augmente. Quand on arrive au mois de juin, on sort très très tôt, au lever du soleil, je sais pas à quelle heure se lève le soleil, mais 5h ou 6h, et on les rentre le soir tard aussi, des fois on rentre à 10h, enfin après ça dépend des bergers, et moi j'ai des activités, j'avais envie de vivre la journée aussi, puis il faut faire des trucs, il faut aussi penser à faire la sieste, j'ai jamais réussi, mais il faudrait en théorie faire la sieste au milieu de la journée pour compenser la petite nuit entre les deux battues. Cynoglosse, langue de chien. Ouais, elles sont fermées. Ça a des trop belles fleurs roses, magnifiques, toutes petites. Et ça, c'est rigolo. Ça pègue. J'ai vu plein de trucs jolis comme ça cet après-midi. Forme d'étoiles. Tu vois, c'est très beau. C'est bon ça? J'ai pas d'électricité et j'ai pas d'eau courante. Je me débrouille avec des bidons que j'amène, que je remplis. Soit c'est mon patron, soit c'est les gens qui m'accueillent, chez les parents, chez les gens à salon. Et puis c'est très pas pratique parce que j'ai qu'un petit robinet, il faut tourner comme ça, donc c'est un peu compliqué. Superbe garde-manger que j'avais acheté dans mes premières années de bergère. On va dire pour la montagne, et c'est mon frigo, mais il faut des choses qui résistent à 25 degrés à l'ombre ou plus l'après-midi, quoi. Donc c'est très sommaire. J'ai deux pommes qui mûrissent, deux avocats. Je mange pas ici, quoi. Bon, là je mange, mais je peux manger du pain quand on m'en apporte, non, quand j'en prends.
Et puis, la culture paysanne, t'es baignée dans une autre, c'est une autre culture, c'est pas une culture où tu vas, c'est pas une culture de la ville nécessairement, de la multiplicité des rencontres, ça va plus lentement et tu invites chez toi. Et quand tu veux avoir des relations avec des gens qui n'ont pas du tout ce bagage-là, pour élargir tes connaissances, ça marche pas. Parce qu'en fait, tu les invites à la maison ou tu les invites à. C'est pas dans leurs mœurs. Du premier abord, non, pourquoi elle m'invite à la maison? Mais c'est pas. Alors que moi, déjà en méridional et en tradition italienne et en tradition provençale. La case, c'est la. Voilà, bien sûr, tu invites à la maison, forcément, quoi. Mais. Donc, ouais, la solitude, ça fait des ravages. Et je me suis dit que si je voulais pas finir célibataire et ivrogne comme les autres bergers, il fallait que la petite, elle se prenne en main et qu'elle change de vie. Voilà. Du coup, tout en montant mon projet, j'avais besoin de travailler et. Que faire ici? Je voulais garder mon réseau salonné parce que ça j'ai besoin de ça et je l'avais bâti tout au long de l'année que j'étais revenue de Lyon donc j'aurais pu faire de la compta hein, j'aurais pu reprendre en compta, c'était facile aussi de reprendre en compta. Mais dans la balance entre être dehors dans la colline au milieu des brebis et au grand air et faire une activité du coup physique et être devant un ordinateur où tu dois penser tout le temps, là j'ai l'esprit un peu libre aussi. C'est quand même agréable. Je suis ravie de marcher toute la journée, d'être au grand air et d'entendre les oiseaux et de. Les étoiles, je les vois pas trop parce qu'au final je me couche assez tôt. C'est sûr que tous les matins quand j'ouvre les yeux et que je vois la nature juste là, c'est. Pour moi, c'est. Avoir la porte ouverte sur les arbres, c'est irremplaçable. D'être si près, quoi, de devoir sortir et de pouvoir sortir immédiatement, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Le désir premier, ça a été d'accueillir. Et ça a germé quand j'ai accueilli inopinément. Il y a eu deux événements, deux Italiens, deux garçons italiens, que j'ai accueillis inopinément à Lyon après. C'était Gentil, carrément Gentil, on rentrait de Gentil. Et dans le voyage, je covoiture avec eux, je dis, mais vous allez pas. Et où vous allez dormir? Venez à la maison. Et donc, comme c'était des Italiens, eux, ça les a pas gênés. Ils ont accepté tout bonnement de venir dans une casa plutôt que d'aller à l'hôtel. Ça les a pas. Et je me souviens que c'était un moment où j'avais pas de sous, pas de. J'étais fatiguée après Gentil où on dort pas très longtemps par nuit, on dort sous tente. Et en plus, c'était. En plein moment critique du boulot, genre où j'étais à l'Argentine, mais genre j'étais pas mal au fond de la dépression. J'ai quitté 2 mois après en fait le travail. Et j'avais rien dans les placards, quoi. Des pâtes et un fond de sauce tomate maison, parce que oui, j'en avais fait des bocaux, mais. Et c'était tellement fou, quoi. Voilà. Ça s'est passé, mais hyper simplement, et c'était trop bien. Et j'étais moi-même hyper détendue. Ça me mettait d'avoir deux personnes à la maison comme ça, inopinément, avec rien à leur donner, quoi. Vraiment, j'étais en rade de tout, quoi. J'avais pas de sous, je pouvais même pas. Et ben, je faisais ma lessive, je pliais mon linge, tout en discutant avec eux au milieu, tac, tac. Super calme, super, tout s'organiser et tout. Et je me suis dit, mais.
En fait, ça me fait tellement du bien, en fait, d'accueillir des gens, que tout s'ordonne dans ma tête et tout est calme et j'arrive à faire beaucoup plus de choses que je ne fais quand je suis dans la solitude. Et ça donne vraiment du courage et j'étais dans mon élément. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose à faire dans l'accueil. Ouais, je pense que ça se confirme. Après, voilà, faudra voir. Et puis l'accueil, et j'ai toujours eu envie de transmettre, d'enseigner. Donc il y a toute cette partie-là qu'il faut mettre à profit. Et quoi enseigner? Enfin, je ne me suis pas posé la question dans ce sens. C'est plutôt les passions que j'ai envie de transmettre, et j'en ai beaucoup. Mais ça tourne tout autour des arts domestiques, comme on peut dire. Et la relation avec la nature, d'une certaine sobriété de vie, et comment employer ce qu'on reçoit assez directement de la nature, savoir le faire. Moi, j'ai eu de la chance d'être née dans une famille où on l'a appris, où mes parents le faisaient, et ensuite dans la vie agricole, et j'ai fréquenté beaucoup de personnes âgées dans la vie agricole, parce que j'aimais bien, parce que voilà, ils sont calmes, et ils sont. Ouais, moi, j'ai beaucoup appris. Et donc, j'ai envie de transmettre. Mon père me veut marier. Sauvons-nous, sauvons-nous par les bois et la plaine. Mon père me veut marier. Petit oiseau tout vif, te lairas-tu lié. L'affaire est sûre, il a du bien. Sauvons-nous, sauvons-nous, bouchons-nous les oreilles. L'affaire est sûre, il a du bien. C'est un mari courant, le meilleur ne vaut rien. Quand il vaudrait son pesant d'or. Qu'il est lourd et que je suis légère. Quand il vaudrait son pesant d'or. Il aura beau courir, il ne m'a pas encore. Malgré ses louis et ses écus, ses sacs de blé, ses sacs de noix, ses sacs de laine. Malgré ses louis et ses écus, il m'aura jamais ni pour moins ni pour plus. Qu'il achète s'il a de quoi, les bois, la mer, le ciel, les plaines, les montagnes. Qu'il achète s'il a de quoi, le monde entier plutôt qu'un seul cheveu de moi. Laissez-vous mettre à la raison et gardez roc la pierre, hérisson, chat sauvage. Laissez-vous mettre à la raison avant qu'un seau d'époux m'enferme en sa maison. Engraissez-vous au potager, bruyère, ou myrtille des bois, genêt des landes. Engraissez-vous au potager avant qu'un seau d'époux ne me donne à manger. Je suis l'alouette de mai qui s'élance dans le matin à tire-d'aile. Je suis l'alouette de mai qui court après son cœur jusqu'au bout du ciel gai. J'y volerai si haut, si haut que les coqs, les dindons et toute la volaille. J'y volerai si haut, si haut que s'ils veulent m'attraper en seront pour leur saut. Si haut, si haut dans la chaleur, j'ai peur du ciel, j'ai peur, les dieux sont proches. Si haut, si haut dans la chaleur qu'un éclair tout à coup me brûlera le cœur. Et brusque du désert vermeil, il vient, il vient, il vient, et l'alouette est brise. Et brusque du désert vermeil, un aigle fou m'emportera dans le soleil. C'est génial, non? C'est génial, c'est extraordinaire. Marie-Noël. C'est rude, mais c'est très beau. J'ai toujours dit ça. Berger, c'est un beau métier, mais c'est solitaire. Donc, soit tu trouves comment vivre ça sans être trop solitaire, soit tu es vraiment de caractère solitaire et ça te fait pas de mal. Mais il y en a. Soit c'est pas forcément gérable si on craint trop ça, quoi.